Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Bonne nouvelle encore. Je vous avais dit, j'ai fait un direct où je vous avais dit la bonne nouvelle en train de s'éclater, en train de sourire à la Côte d'Ivoire. Vous-même regardez un peu la petite vidéo. Parmi les 49 soldats qui étaient bloqués au Mali, voici, ils ont libéré trois filles. Ils ont libéré trois filles, trois soldats. Franchement, je suis très heureux. Et je remets au passage, je remercie aussi Assimi Goïta. Lui, merci beaucoup. Le geste que tu es en train de faire, c'est bien. Continue comme ça. Dieu va te bénir. Oui, Dieu va te bénir encore. Et Dieu même va mettre la main sur toi pour que la bénédiction soit grandiose. Oui, je suis très heureux pour toi. Et pour nous aussi, pour nos soldats. Le reste des 46 personnes qui sont là-bas, s'il te plaît, libère ceux-là. Libère pour que au moins tout le monde puisse être heureux. Parce qu'on ne veut pas voir deux pays en train de se chamailler, deux pays en train de se fondre. Ouais, donc, vous-même, je vous présente cette petite vidéo, l'arrivée de nos trois soldats. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez vu la vidéo. Je suis très heureux. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Et voici les preuves. Au fur et à mesure, nous sommes à trois soldats. Au fur et à mesure, jusqu'à la semaine prochaine, je pense que tous les 49 soldats vont être libérés et vont être dans leur pays. Remercions le bon Dieu. Parce qu'on dit ce que nous faisons. On doit remercier toujours le bon Dieu. Si tu ne remercies pas le bon Dieu, c'est que toi-même, tu ne sais pas. Bon, chacun prie à sa manière. Mais je remercie aussi les deux gouvernements, entre gouvernement malien et gouvernement ivoirien. Ils ont travaillé dans le noir. Oui, ils ont travaillé dans le noir. Parce que si les réseaux sociaux, quand tu écoutes des propos, des cyber mercenaires, des cyber opposants, ceux qui étaient à la base de cet malheur et de cette blocage des 49 soldats ivoiriens, je pense que le masque va tomber. Le masque, tu étais figé, tu étais caché, ça va tomber. Et il y aura révélation. Pourquoi ils ont bloqué les 49 personnes au Mali? Parce qu'on a tout vu. Où je vous envoie des cyber mercenaires opposants, tu dis non, on peut les libérer. Mais ils n'ont qu'à garder les armes là-bas. Aussi, tu dis non, ils vont se mobiliser pour venir au Mali. Il est temps. Les Maliens vont libérer les 49 soldats là. Et vous, les opposants, les cyber qui portent les traits, qui viennent faire les vidéos matin, midi, soir. Je pense que il est temps maintenant. Organisez-vous. Venez prendre le relais des 49 soldats là et pour venir attaquer. C'est ça que vous voulez. Vous voulez vraiment déstabiliser le pays. On vous attend. Voilà. On vous attend. Mais aussi, j'interpelle Zasso, Patrick Zasso. Tout ce que tu as fait contre Alpha Yaya, voici les preuves. Alpha Yaya, quand tu lui posais les questions, il a dit,
toi-même, voici telle personne que tu peux appeler et il peut te donner les informations. Mais aujourd'hui, voici ça. Si tu avais fermé ta bouche, si tu n'avais pas piégé la chose à Touré Alpha Yaya. Donc, la famille, je dis, prions Dieu et on doit beaucoup prier parce qu'il y a 46 personnes, 46 soldats. Donc, pour qu'on puisse les libérer. Faut pas on va trop être content. Pour dire oui, c'est fini, que les autres vont venir. Non. Là, c'est testeur. Donc, c'est à nous de mettre dans les prières pour qu'on puisse libérer les autres. Pour qu'on puisse libérer les autres. Parce que là, on peut dire, oh, c'est fini, on a déjà gagné. Oui, non, ceux qui ne sont pas les mercenaires. Et puis, ça peut changer encore. Et les gars peuvent bloquer les 46 là. Donc, soyons sereins, faisons confiance à Papa Ado et faisons confiance aussi au gouvernement ivoirien et aussi faisons confiance au gouvernement malien. Oui, parce que ce sont les deux pays voisins. Je sais qu'il n'y aura rien entre nous. Il n'y aura rien contre palabre, contre division. Mais on va attendre et j'attends demain. Je sais que demain ça va chauffer. Parce que il y a des gens qui vont faire vidéo. Je suis là pour les répondre. Donc, il vous dit très bientôt, j'ai la joie dans mon cœur. Trois d'abord, c'est bien. Donc, continuez de libérer un peu. Libérez les soldats. Libérez les soldats. Pour que au moins, tout ça, là, la haine qui anime, surtout les opposants, les cyber-opposants ivoiriens, là, ça va se calmer. Donc, merci, peuple ivoirien, peuple malien, je vous remercie. Ciao.